enchaîner avec le Muay Thai, lui plus souvent sur de la boxe style. Donc on va un petit peu montrer ce qu'on sait faire. Donc on peut travailler du traditionnel, on peut travailler avec les enfants, avec les ados, avec les adultes, en loisir, en compétition. C'est, il y en a pour tout le monde. Donc on va démarrer avec Christophe Sanchez, qui fait le cours enfant et ado, qui est mon assistant. Nous allons faire une démonstration de ce qu'on appelle le ramway, qui est une danse traditionnelle. Donc c'est un rituel qui permet dans les combats de s'échauffer et également de porter un hommage à ses entraîneurs, aux croyances religieuses pour certains, ça dépend. Ça permet également de prendre position dans l'espace et de se concentrer. Ça fait partie du côté martial du Muay Thai. Qu'est-ce qu'il y a là? Le Muay Thai est un art martial. Tu peux planter un bâton dans la tête? Donc j'effectue une technique de l'archer, chaque rameau est différent. Il y a le rameau de l'archer, du cible, du chasseur. Il existe plusieurs et il est différent pour chaque école. Ce qui permet également de créer l'adversaire en tribune. On peut l'applaudir. Donc maintenant vous allez découvrir nos petites participants pour enfants. Donc il faut savoir que les enfants ils peuvent démarrer à partir de 4 ans. Et pour Félix Motaille, donc on a un cours enfant de 4 à 11 ans. Et que le but du jeu, c'est de leur apprendre le Muay Thai tout en étant ludique et tout en étant en progression constante sur des techniques difficiles à accomplir. Et comme ça reste sous forme de jeu, ils n'ont pas conscience du travail effectué. Donc, on va commencer avec Océane, qui a 6 ans. Donc j'ai travaillé des techniques de poing, des techniques de jambes. Alors le soleil est un peu chaud, donc c'est un peu difficile. On peut applaudir Océane. Donc maintenant, on va enchaîner avec Kevin, 9 ans. Donc les cours enfants sont le mardi et le vendredi, de 18h30 à 19h30. Et pour les ados de 12 à 17 ans, de 19h30 à 20h30, le mardi et le vendredi également. Donc comme vous le voyez, on peut avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et déjà connaître pas mal de techniques, et pouvoir travailler comme des grands, tout en s'amusant, en développant tout ce qui est la coordination motrice, tout ce qui est le respect, l'humilité. Ça permet également tout le développement fonctionnel des enfants. Donc maintenant on va passer au chaos avec les un peu plus grands, on va dire. Donc on va démarrer avec Jérôme. Donc Jérôme il fait partie de nos adhérents loisirs. Donc, je rappelle que le Muay Thai est ouvert à tout le monde. Qu'on soit jeune, vieux, grand, petit. Enfin, c'est ouvert à tous. Il y a une grande capacité chez chacun. Pouvoir apprendre et développer son corps, prendre confiance en soi. Le Muay Thai, ça permet également de faire des techniques d'autodéfense, de être utile. Allez, merci Jérôme. Donc maintenant on va passer avec Tic. Son surnom, Sylvain.
Donc Sylvain, il est un petit peu plus expérimenté. Il n'est pas encore compétiteur aussi, mais il a malheureusement un peu plus confirmé. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'énergie qui sort. On travaille énormément sur la respiration. On essaie de s'appliquer sur les gestes. Alors, au niveau des cours, ça peut être des cours basés sur le physique, ça peut être des cours en position de pas haut, de position de l'adversaire, ça dépend. On peut applaudir. Donc on a, ça va être le cours de Manon, son Xena. Donc le Muay Thai est également ouvert aux féminines, pareil, que ce soit chez les enfants, les ados, les adultes. Ah, donc vraiment, on a fait un an et demi de pratique. De genoux, des techniques de jambes, des techniques de coups de pied repoussant. On peut l'applaudir. Donc maintenant vous allez voir Johan. Johan, lui par contre, le combattant qui a s'expérimenté déjà. Donc vous verrez au niveau de la frappe, c'est pas du tout pareil. Pour montrer les différentes évolutions qu'il peut y avoir entre les compétiteurs, entre les débutants, les loisirs. Chacun à son niveau, tout le monde à sa place. Donc vous voyez là, le niveau est beaucoup plus élevé. Le travail est beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. Quelques séquences par saut en position. Donc pareil pour les assauts, ça peut être des assauts plus ou moins durs, sachant que la plupart du temps, quand on est enfant, ado ou loisir, on travaille sans force. Le but du jeu, on travaille la technique. Tout ce qui est force, c'est les arrêts étant plus de compétiteurs. Les cours sont loupés, mais on ne sait pas tous les niveaux dans le même cours. Là, vous allez voir Jérôme et Manon qui vont travailler un assaut uniquement avec des points. Parce qu'on peut travailler des assauts à peine. Donc, comme vous voyez, c'est un travail posé, technique, on n'est pas là pour se faire mal. Le but du jeu, c'est de progresser, d'apprendre le mental, d'apprendre à contrôler son corps et son énergie. Ah, les gars qui sont bien posés, les techniques de points directs, circulaires, les hypercoupes. Les applaudir. Bon, maintenant on va passer à un autre registre qui s'appelle le corps à corps. Parce qu'en montagne, on a droit au coup de genou, on a droit au coup de coude, on a droit au saisi. Donc on va voir Johan et Christophe travaillant des séquences de corps à corps avec tout le genou, on évitera les projections par rapport au sol. Donc ça c'est un aspect qui est très physique, physiquement c'est très dur à exécuter. Parce qu'on est en force constante, on va combattre l'adversaire faiblisse. Le joueur de maintenant pour le coup du bras s'appelle le Pradjel. Ça définit le niveau, c'est équivalent aux ceintures. Et ça permet également d'avoir les couleurs du club. Donc maintenant on va voir Jérôme et Tchik, donc de loisirs également. Ils vont travailler libre. Thank you.
Antoine, pardon. Donc à ce niveau également, on peut travailler pieds, poings, genoux, coudes. Sachant qu'à l'entraînement, là on a une démonstration, mais à l'entraînement on travaille avec des protections, donc les chigas, coudières, pince, plastron. Il n'y a jamais. Et on va terminer avec Joël et Christophe. Donc, ils vont faire un assaut légèrement plus appuyé, tout en maîtrisant toujours leur coup.